Invité sur le Télématin 7 ce samedi 11 mars, Gérard Klein a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. L'acteur de 80 ans a beaucoup changé physiquement au cours de sa carrière. Cela fait un moment que Gérard Klein n'a pas décédé à la télévision. In suite sur 7 Télématin samedi 11 mars. L'acteur profitait l'occasion promouvoir son dernier livre. Gérard Dreams, mais non seulement le présentateur des les spectacles. Damien Thévenot a voulu retracer la carrière l'acteur pour 30e anniversaire la célèbre série Lynch. Pour l'occasion, ce dernier diffusait une photo Gérard Klein à moment-là. Montrer qu'il n'avait guère essayé. Maintenant âgé de 80 ans, Gérard Klein est ensuite revenu à ses 9 saisons passées à la place du professeur Victor Novak, qui est devenu culte pendant toute une génération. Mais avant de faire une boîte dans la série télévisée France, Gérard Klein était un hôte sur France Inter quand il avait 22 ans. J'aime ce travail, parce que ça me fait rire. Donc, comme j'aime rire, je l'aime assez. Gérard Klein a eu un regard très controversé au cours de sa carrière de chanteuse profitance. Moment immergé dans le passé Gérard Klein. Damien Thévenot voulait également diffuser DS son invité au tout début sa carrière chanteuse. Une période complètement oubliée par le grand public. Alors que ce dernier n'avait absolument pas le regard gauche dans l'imagination collective. Les cheveux longs, imposant la barbe et les tenues colorées étaient alors la vie quotidienne de cet homme à bricoler. Un bon moment de télévision qui n'a pas commenté les fans octogéniards sur les réseaux sociaux.